oui, de leur dire. Parce que le bataillon ne veut pas On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Une division. Halte à la division. Halte à la division. On veut des multiplications, pas des divisions. Un peu d'ombre propice, enfin. Salut! Hey, feuille de chou, on te trouve partout et quoi? Ah bah ouais, salut! Salut! Ça va? Ouais. Salut tout le monde, bonjour! Salut! Ça va? Et voilà, salut! Salut! Et voilà, comment la feuille de chou de Strasbourg rencontre ses amis d'Albertville? Bienvenue au club. Ah, ça bon, fait plaisir. Vous êtes pas mal d'Alsace quand même. Ouais, enfin si, du Bas-Rhin pas trop, mais il y a pas mal de gens du Haut-Rhin. Ah ouais. Là, on a fait une voiture de trois, mais il y a d'autres qui sont venus comme ça. Par contre, le Haut-Rhin, Mulhouse, les QG, ils sont assez mobilisés. Ouais. Bon, c'est bien. Nous, on a fait un quart. Nous, on est 57. On s'est arrêté, on est arrivé vers 11h à Ferney-Voltaire et hop. Je prends de l'essence et juste à 10 mètres devant, je vois les gilets jaunes. Hop, on s'est garé et nous voilà. On est là. Celle que j'ai pas vue, elle m'a téléphoné ce matin, c'est Pascaline. Ah oui. Et alors j'ai appelé Olivier, je croyais qu'il était là. Il est malade. Il est malade. Pascaline, elle était à Valto. Alors ils sont organisés à Albertville, ils ont fait des quarts. Il y avait combien de quarts? Un quart, mais. Un quart. Ah, donc il y a le quart A et pas de quart B. Excellent. Donc Pascaline devait descendre de Val Thorens. Et maintenant c'est à la place d'un quart. Mais je lui dis, mais Pascaline... Trop de neige. Mais non, t'auras jamais le temps. Ouais. Il y a le Québec là-bas, Québec libre. Il y a le Québec libre aussi. Oui, Québec. Ça s'enrichit tout le temps. Ah, mais c'est bien. Voilà. Bien que vous soyez là, quoi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ben voilà, c'est nos amis les marcheurs d'Albertville. Ils ont fait, c'était quand? Rappelle-moi les dates. C'est en arrière dans mon dos. Le mois. Ben, c'était entre... mai et juin. Entre mai et juin 2019, voilà. 545 km. 545 km, on fait les marcheurs d'Albertville par petites étapes. Et ils ont terminé devant le Parlement où on les a accueillis. Ouais. Et après, on a tous été manger une flammekuche. Et du coup, ils nous ont invités à Albertville dans leur belle montagne. Et c'était génial. Voilà. Bon. Là, c'est pas mal aussi, hein. Quelques-uns, ils sont pas contents. Il y en a, ils sont bravo, quoi.
Des grincheux. Des grincheux. En Suisse, vous n'y pensez pas, monsieur. Et le drapeau du Québec. Vive le Québec. C'est le Québec à l'église. Salut. Salut. 300 francs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Combien? 336. Combien quoi, 336? 336 d'amende si vous restez sur la route. Ah ouais? Il y a des vires. Bah, en France, c'est moins cher. C'est moins cher. Exact. Il a raison, en France c'est moins cher. Mais il faut dire ici les policiers sont plus sympathiques que les nôtres. Hein. Ah oui, franchement, oui. Hein, ah oui. Là j'ai jamais vu ça. Hein. Ouais. Bon. On voit pas bon peut-être, hein. Peut-être là-bas. Peut-être là-bas. Mais il faut traverser quand le petit bonhomme est vert. Hein. Ah oui. Et marcher sur le trottoir. Et marcher sur. Oui, mais c'est l'accord de la manifestation autorisé à condition qu'on marche là. Bon, le trottoir, il n'est pas large, hein, regardez. Hein. Ouais, ouais. Et oui, les routes, il y en a plus pour les bagnoles que pour les piétons. C'est pas normal, ça. Ah, il a une casquette jaune, lui. Bon, allez, c'est dur, hein, on n'a pas le droit de marcher là en bas. Voilà. On arrive. Allez, on arrive. Merci beaucoup. Avec le sourire, on va le faire. Allez, c'est sûr. Ah, nos amis motards, ils sont là aussi. Toujours. Hein. Toujours là. Toujours en colère. C'est News, c'est Radio, vous ne les écoutez plus. Ça n'est que de la désinformation. Ils sont au service du pouvoir. Ils sont engraissés par le pouvoir. N'est-ce pas Bourdin, mon cher Bourdin? Là, voilà, c'est Bourdin. Voilà, c'est Bourdin. Voilà, c'est Bourdin. Ah oui, tiens, voilà du Bourdin, voilà du Bourdin, pour les Alsaciens et les Lorrains. Celle-là, je ne l'avais pas entendue encore. Deux bourdins, sinon rien. Ouais, ben rien alors. Hein. C'est deux gourdins qu'il faut pour les assommer tous. Alors ici, il y a le Rotunvis alsacien. C'est involontaire, hein. Mais c'est quand même ça. Elsass-Frei. C'est fini le Tour de France. Ouais.
Compte-toi, rends-toi, nenni, ma foi. Voilà un gilet qui a beaucoup servi, on le voit, et qui ne passe pas à la machine à laver. Hein. Non, c'est un jusqu'à la fin du mouvement, il reste. Jusqu'à la fin, t'as raison. Mais oui, mon frère, il n'y a pas de souci pour ça. Ouais, c'est vrai que ça... Non, mais c'est... On a gilet jaune d'un jour, gilet jaune de toujours. Eh oui, toujours. Il va y avoir du gilet jaune. Attention au PV, si vous êtes sur la route. C'est plus de 300 francs suisses. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est ce que j'ai appris avant. 300 francs suisses et plus là. les arbres des chemins, il va falloir qu'on descende là maintenant. Pourquoi ils sont dans les arbres? Dans les châtaigniers? Ça va péter, ça va, ça va péter. Ça va péter, ça va péter. Ça va, ça va, ça va péter. Déjà, il y a la crise financière qui va péter, ça va faire mal bientôt. Et oui, voilà une belle image, n'est-ce pas? On ne s'en lasse pas. Non, on ne s'en lasse pas. Et oui, on ne s'en lasse pas. Et bientôt, on sera comme lui, armé. Et pas seulement de bonnes intentions. Ouais, enfin, on espère qu'on ne nous coupe pas la tête non plus. Hein. Oh, c'est à eux qu'on coupera la tête. Hey, même symboliquement. Ah oui, voilà, un instant. Oui. Stop au LBD, GLI F4, stop à la mutilation du peuple, eh oui. Macron, Castaner, eh oui, tout ça n'est rien sans son peuple, et on devrait les traduire en justice. Ah, il y a longtemps. Eh oui, mais peut-être que ça va arriver. On traduit des gens en justice qui ne devraient pas être. Pour, oui, pour moins que ça. Voilà. Tu voles un pain et hop, tu prends un mois de prison. Et ceux-là, ils nous font chier. Pire que ça. Un gilet jaune, on met en comparution immédiate. Voilà. Souvent, il a droit à quoi? À de la prison. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté. Exactement, exactement. Mais leur heure viendra à la oui, caste. Mais il ne faudrait pas trop attendre longtemps parce que. Et...